Avec Aymar Guy, du Marseille Fight Club, hein, c'est bien c'est ça. Et en fait, on devait le voir hier, on s'est croisés hier à l'Hexagone MMA, hein, je le dis, hein, voilà. Et là, je le vois, FFA Challenge, je comprends plus rien, mais il n'a pas combattu. Non, aujourd'hui, on n'a pas combattu. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Aujourd'hui, on est venu donner main forte et venu coacher les collègues du club. Ils sont venus aussi combattre avec Sartaoui, Jennifer et Wilson. Voilà. Et les prestations, alors les performances des collègues, c'était comment? Les prestations étaient bonnes, à part pour Jennifer où bon, c'est une incompréhension encore. Après, nous allons voir cela à tête reposée, mais même on est encore dans le flou. Mais sinon, après, on a quasiment fait un sans faute. Donc, entre la semaine dernière et cette semaine, c'était une bonne récolte, comme on dit. On dirait pas que tu as combattu hier. Il n'y a pas de bobo, il n'y a rien du tout. Intact, qu'est-ce qui s'est passé hier? Raconte-moi ton combat. Mon combat, je suis tombé contre un Jean du Trio, un gars vraiment physique, avec en plus une petite cage, avec un gars vraiment physique qui m'a donné du fil à retordre physiquement. Mais après, on a essayé d'être intelligent, retourner les situations, garder l'adversaire au sol, grand impendé et finir comme ça. Après, je finis pas souvent marqué. J'aime pas les coups, donc ça va. Donc, voilà. Les autres, ils aiment les coups, tu penses? Ah, je sais pas. Il y en a qui ça me fait pas de... Moi, je n'aime pas ça. Il y en a... Ça leur gêne pas. C'est mon style qui fait ça. Qui fait que je sors pas souvent cabossé, mais voilà. Tranquille. C'est un style, hein. Mais moi je comprends, hein. Franchement, tranquille, après tu peux sortir, personne ne te dira rien. On peut aller travailler tranquillement, voilà. Travail du coup à côté. Ouais, c'est ça. Et il faut rester intact pour ce travail Oui, mais ça vaut mieux même pour soi-même déjà. Pas que ni la femme ni les enfants on se voit, t'as combattu. Non, ça va, voilà. Donc si on peut rester beau, pour moi c'est l'état d'esprit. Toucher sans se faire toucher, si on peut rester beau, on reste beau. C'est voilà. Quoi la suite pour toi? La suite, je ne sais pas encore exactement. J'espère qu'il va y avoir du nouveau, que ça va bouger, qu'on va passer cette étape Covid qui nous freine tous et que le MMA français en France, même exporté, c'est-à-dire les combattants français à l'extérieur, vont pouvoir s'épanouir. Et j'espère qu'on aura beaucoup d'événements, que ce soit dans le sud ou dans le nord à Paris, et qu'on puisse vraiment en profiter et faire évoluer le public français à ce sport, parce qu'on manque encore un peu d'éducation par rapport à cela. Et pour ça, il faut en faire. Donc j'espère qu'on va passer ce cap pour Covid et pour qu'on puisse tous combattre. Donc, je ne sais pas si tu as le droit de nous le dire, hein, mais bon, est-ce que tu as signé pour plusieurs combats avec l'Hexagone? Dis seulement ce que tu as le droit de dire. Non, rien n'était signé. J'espère que ça va. Ça a été parlé, mais rien n'a été signé. Donc pour l'instant, il n'y a rien. C'était juste hier. Donc pour l'instant, on savoure la victoire. On profite. On savoure la victoire des collègues. On profite de manger comme on veut. Voilà. De se remettre en route. Voilà. Enfin. Et pour l'instant, je ne pense pas. Demain, je pense à aujourd'hui. Aujourd'hui, ça a été les collègues qui ont combattu, on pense à eux. Demain, c'est notre jour, et on verra demain. Et c'est quand vous retournez à Marseille, du coup? Nous, demain. Aujourd'hui, on est samedi, dimanche, on retourne, on profite des derniers instants, et après, on retourne à Marseille. On retourne revoir le soleil, parce que la pluie ici, c'est bon. Non, mais c'est un truc de ouf. Hein. On a assez donné. Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup. On se retrouve très bientôt, hein, surtout pour peut-être un hashtag combattant. On va le voir. Pas de souci. Hein. À très bientôt, merci de l'invitation. Et les gars, MMA Story France, rien à dire. Voilà. Merci beaucoup. Merci, de rien. Emma.